Le plus ancien manuscrit que l'on connaisse, d'un livre presque complet du Nouveau Testament, date de la fin du IIe siècle de notre ère. Il a été retrouvé en Haute-Égypte. Il est écrit en grec. Tout cela montre bien la distance qui sépare l'histoire et le récit des quatre évangiles. Malgré cette distance, les différentes versions que proposent l'évangile de Jean et les évangiles synoptiques, Marc, Matthieu et Luc, devraient permettre de reconstituer le déroulement de la condamnation à mort de Jésus. Il livre donc Jésus et, portant lui-même sa croix, il sortit jusqu'au lieu appelé lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha. Là, ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, l'un d'un côté, l'un de l'autre, et au milieu Jésus. And Pilate wrote an inscription to be fastened on the cross. It read, Jesus of Nazareth, King of the Jews. This inscription was read by many Jews because the place where Jesus was crucified was not far from the city, and the inscription was in Hebrew, Latin and Greek. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. It's obvious that the most important part of the life of Jesus. Il est évident que pour le christianisme, la partie la plus déterminante de la vie de Jésus est sa crucifixion. Donc, le procès et la mort sont les moments les plus importants. Quand on voit comment les chrétiens ont raconté l'histoire, on peut se demander qui sont les méchants. Vous voyez différentes vues de qui sont les méchants. Alors, si vous voulez, il y a deux récits qui sont assez différents. D'un côté, vous avez le récit de Marc. Dans la Passion selon saint Marc, ce qui est caractéristique, Jésus est arrêté, puis ensuite il va comparaître la nuit même devant le Sanhédrin, c'est-à-dire l'autorité judiciaire juive. Là, joue un rôle important le grand prêtre qui est Caïphe. C'est la première forme que nous avons comme récit. Puis nous avons une seconde forme dans saint Jean, un second récit. Dans saint Jean, Jésus est arrêté, il est mené chez le grand prêtre, et on nous précise que ce grand prêtre, c'est Anne, et qui on nous le situe d'ailleurs par rapport à Caïphe, en rappelant que Anne est le beau-père de Caïphe. Donc, du point de vue juif, nous avons déjà deux procédures qui sont différentes. Et les deux récits sont assez différents, comme vous vous en rendez compte. Dans les évangiles synoptiques, on vous raconte donc que, avant d'être livré à Pilate, Jésus a été formellement condamné à mort par le réunion du Sanhédrin. Alors, effectivement, on l'accuse, premièrement, d'avoir annoncé la destruction du temple. Hein. Alors, déjà, Jérémie l'avait fait, on a voulu le mettre à mort. Et puis ensuite, s'est fait fils de Dieu, est le fils du Très-Haut, etc. Alors, moi, je suis persuadé que, en tenant compte de l'évangile de Jean, il n'y a pas eu de procès devant Sanhédrin. Jamais. Hein. Alors là, je crois qu'une fois de plus, il faut repartir des textes. Dans les textes qui pourtant voudraient nous laisser entendre qu'il y a eu vraiment une comparution de Jésus de Nazareth devant le Sanhédrin constitué comme tel, il n'y a aucun texte, aucun récit de l'Évangile qui se termine de manière claire par une sanction. C'est plutôt de l'ordre, il mérite la mort. Autre trait qu'il faut bien mettre en évidence, et absolument irréductible, on a une grande différence entre le récit des synoptiques et le récit de Jean.
Un autre fait qu'il ne faut jamais oublier, du point de vue de la législation juive, il est impensable que de nuit, le Sanhédrin se soit réuni pour faire le procès officiel de Jésus de Nazareth. Et il est clair que ça a un enjeu parce que, historiquement, si vous voulez, il y a peu de raisons, me semble-t-il, de dire « ben voilà, le Sanhédrin s'est réuni en dépit de toutes les règles ce jour-là, exprès pour condamner Jésus, etc. » De fait, le Sanhédrin ne s'est sans doute pas réuni lors de la nuit pascale, mais on l'a fait se réunir à ce moment-là pour que Jésus prononce dans le cadre le plus solennel possible la prophétie de son retour. Devant le Sanhédrin, Jésus prophétise. Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite de la puissance et venir avec les nuées du ciel. Alors, il n'y a pas eu de procès devant le Sanhédrin, comme le disent les synoptiques, mais tout de même, une réunion du Sanhédrin, Jésus n'étant pas là, hein, dans laquelle on décide de le mettre à mort. Et puis finalement, ce sont les grands prêtres qui ont tout manigancé. Hein. Donc, on voit comment les évangiles synoptiques, il ne faut pas les accuser d'avoir été contre la vérité historique, hein, simplement... Alors, ça se faisait à l'époque. Hein, ils ont rassemblé en une scène un peu fictive hein, des événements réels. Hein. That is always the problem that one has between the time of. C'est toujours le même problème que nous avons. Le temps qui sépare la rédaction des quatre évangiles de ce qui aurait été réellement dit par Jésus ou même à son sujet pendant sa vie. And so on. I mean, there's always that passage of a generation. Il y a entre les deux la distance d'au moins une génération. And so, I mean, what we have in the New Testament, et donc, nous avons avec le Nouveau Testament, avec les évangiles, quatre souvenirs différents de ce que Jésus aurait voulu dire. Et ces souvenirs sont parfois peu cohérents entre eux ou ne veulent pas dire exactement la même chose. Il faut donc être extrêmement prudent dans l'interprétation des quatre différents évangiles. Et il faut aussi comprendre qu'il ne s'agit pas nécessairement de la reproduction, mot à mot, de ce que Jésus lui-même aurait dit une génération plus tôt. Le problème est que les accusations des grands prêtres ne sont pas les mêmes chez Jean et dans les évangiles synoptiques. Et même les synoptiques ne sont pas entièrement d'accord entre eux. Comment savoir alors de quoi Jésus pouvait être accusé au regard de la loi juive ? L'accusation que Jésus aurait blasphémé en se proclamant fils de Dieu ou semblable à Dieu, selon la formulation de l'évangile de Jean, c'est probablement une accusation plausible. Il est cependant difficile de prendre cela au sérieux. Il y a beaucoup d'imposteurs qui disent des choses insensées sur eux-mêmes ou sur Dieu. Mais j'ai beau chercher, je n'arrive pas à trouver d'exemple où les Juifs auraient été bouleversés par de tels propos, ni même qu'à cause de cela, ils n'aient jamais traduit quelqu'un en justice. Alors, en plus, dans le réunion du Sanhédrin, dont Jésus aurait été condamné parce qu'il s'est dit fils de Dieu, hein, et dans Jean, même paragraphe, même endroit, au chapitre, 30, chapitre 10, hein, alors, toute la petite discussion, Jésus disant « pour quelle œuvre bonne est-ce que vous voulez me lapider hein ?» Les Juifs disent « Paponon, c'est parce que tu as blasphémé » et que tu t'es dit, Dieu, on veut te lapider. Alors Jésus renvoie au psaume 82, je crois, n'est-ce pas, où le psaume dit, vous êtes tous des dieux, il s'agit des juges dans le peuple. Alors Jésus répond, si l'Écriture appelle Dieu hein, de simple mortel, alors donc pourquoi est-ce que vous dites moi que je blasphème parce que je me suis dit fils de Dieu. Alors effectivement, l'expression, je crois, même dans le Nouveau Testament, l'expression fils de Dieu n'a pas du tout le sens transcendant. C'était appliqué à n'importe qui dans l'Ancien Testament, enfin n'importe qui, enfin les rois, les princes, et même tout le peuple, et le peuple lui-même, et puis le juste, quand on a vu le texte de la sagesse. Là. Donc on a l'impression que Jean a voulu démonter complètement ce procès devant Sanhédrin, pour dire d'abord, il n'y en a pas eu, et puis cette accusation de Jésus mis à mort parce qu'il s'est dit fils de Dieu, ça ne tient pas debout. Hein, ça. Even the fact that he claimed to be son of God
Le fait qu'il se proclame fils de Dieu n'a rien de blasphématoire. Ce titre avait été donné au roi Salomon, par exemple. C'était un titre royal. Dans un autre sens, tout être humain est fils ou fille de Dieu. Si Dieu est notre Père, nous sommes tous ses enfants. Donc, il n'y a pas de blasphème là-dedans. Mais Jésus revendiquait ce titre dans un sens particulier, dans le sens de roi. Fils de Dieu était un titre royal dans ce sens particulier. The claim, however, that Jesus was planning to destroy the temple. L'accusation selon laquelle Jésus menaçait de détruire le temple, qu'on peut deviner sous le fait qu'il prophétisait sa destruction, paraît fragile, elle aussi. It's something else again, except it's hard to imagine that one individual could. Il est difficile d'admettre qu'une seule personne puisse détruire le temple. Le temple était un édifice solide, avec des gardes. Et on peut se demander pourquoi personne n'a pris très au sérieux cette menace. Cela dit, cela semble authentifié par ce qu'on peut lire ailleurs dans le Nouveau Testament. Je fais référence aux Actes des Apôtres, chapitres 6 et 7, où l'on voit Étienne traduit en justice devant le Sanhédrin parce qu'il avait dit que Jésus de Nazareth voulait détruire le temple. Donc, selon les rédacteurs des Actes, il y en avait quelques-uns que cela bouleversait. Il semble qu'il pourrait y avoir quelque chose d'authentique ici. Je ne crois pas que Jésus ait vraiment eu les moyens de détruire le temple. Ce qu'il faut comprendre ici, ce que comprennent la plupart des Juifs, c'est que les prophéties de Jésus menaçaient de conduire à une rébellion qui elle-même pouvait provoquer la destruction du temple. C'est exactement ce que suggère le rédacteur de l'Évangile de Jean. Dans Jean, chapitre 11, « Si on laisse cet homme continuer, tout le pays aura des ennuis. » Pas à cause des miracles qu'il a faits, mais à cause des Romains. Il faut donc l'arrêter. Si je pars de l'idée que le début de ces traditions est « Les Juifs avaient peur de Jésus parce qu'ils craignaient que ses prophéties n'entraînent la destruction du Temple », je peux le comprendre. Et cela peut passer dans les souvenirs de certains comme « Les Juifs ont fait un procès à Jésus parce qu'ils projetaient de détruire le temple ou qu'ils prophétisaient ses destructions », ce qui revient au même. Et je le répète, 40 ans plus tard, le temple a été détruit à cause de personnes très semblables à Jésus. Effectivement, Jésus, en s'en prenant au temple, eh bien, représente un danger pour les grands prêtres qui sont les maîtres du temple. Et il représente un danger aussi dans la mesure où disant des paroles contre le temple ou invitant à avoir une autre attitude vis-à-vis du temple, il supprime en partie le pouvoir des grands prêtres. Il le critique implicitement. Donc il n'est pas étonnant que les grands prêtres soient ceux qui, au moment de l'arrestation de Jésus, soient les plus actifs. Et que nous sentons très fort, ils veulent la disparition de Jésus. Vous voyez, l'énorme problème qui se posait à l'époque de Jésus, somme toute, c'est la question, hein, qui donc a autorité? Qui donc a autorité? Les grands prêtres disaient, mais c'est eux qui avaient l'autorité. Et d'une certaine manière, ils l'avaient, ils avaient le pouvoir. Et de l'autre côté, il y a les pharisiens qui présentaient une certaine exégèse de la loi en disant, mais non, c'est notre manière de lire l'Écriture et donc ces lois de Dieu, hein, c'est ça, est dite dans l'Écriture et notre interprétation, là, c'est ça qui fait autorité. Et voilà que des groupes baptistes encore se présentent d'une manière différente. Et Jésus qui dit, moi, hein, et mon autorité. So in other words, Jewish religion was... La religion juive avait ses propres divisions internes et conformément à la loi de l'époque, les imposteurs qu'on présumait toujours menaçants, étaient poursuivis. Le prophète Jérémie avait failli être mis à mort. Autrement dit, dans le judaïsme, les prophètes pouvaient mourir pour leurs idées. Je crois que nous ne pouvons pas l'ignorer. Dans le Deutéronome, on s'interroge. Si un prophète, quelqu'un qui se prétend prophète,
entraîne Israël loin de l'enseignement traditionnel, que faire? Et la réponse est claire, eh bien, il faut le condamner, il faut l'exécuter, le faire disparaître, dit le texte. Et alors là, je crois que nous avons véritablement, il n'y a à mon sens pas d'autre motif pour condamner Jésus du point de vue des grands prêtres que le fait qu'il soit reconnu comme prophète. Et pour les grands prêtres, faux prophètes. Je crois qu'on a trop l'habitude de voir les grands prêtres comme des gens qui, au départ, sont de mauvaise foi. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans la conscience des grands prêtres, mais ce qu'il faut bien réaliser, c'est que les grands prêtres ont comme fonction, dans le fond, de maintenir Israël dans la tradition. Je ne dis pas qu'ils l'aient toujours fait, mais c'est leur fonction. D'autre part, ils ont intérêt vis-à-vis du gouverneur romain à ce que le calme règne. Dans le chapitre 11, quand les Juifs débattent du sort réservé à Jésus, le grand prêtre est supposé avoir dit « Il est utile et avantageux de sacrifier un homme pour sauver le peuple tout entier. » Et l'auteur, à l'époque, commente de manière explicite. Voyez, il ne savait pas ce qu'il disait, mais voyez comme il avait raison. Il voulait dire, nous allons tuer ce type, de sorte que les Romains laissent tranquille le reste du peuple. Mais en fait, aux yeux des rédacteurs des évangiles, cela avait été précieux que Jésus soit sacrifié. Et l'auteur entendait sacrifice au sens religieux, et non au sens politique. Alors, ceci, c'est donc le plus ancien manuscrit du Nouveau Testament. C'est la plus ancienne trace d'un évangile. C'est le plus ancien document portant une partie d'un texte du Nouveau Testament. Nous sommes à une date difficile à préciser, mais entre 100 et 150. Vous voyez, il est réduit à très peu de choses. Un fragment d'un folio écrit recto verso, aujourd'hui conservé à Manchester, retrouvé en Égypte, et qui porte le numéro 52 parmi les papyrus du Nouveau Testament. C'est P52, ou le fragment John Ryland Library, papyrus 457. Alors, sur ce fragment, vous voyez, il reste quelques mots, quelques lettres de 7 lignes de texte. Et on a pu identifier avec certitude ce texte comme faisant partie du chapitre 18 de Jean. À la première ligne, vous lisez d'abord « Oi, Yudai ». C'est la fin d'une phrase qui était « Eipon aoto oi, Yudaioi », c'est-à-dire « les Juifs lui dirent », donc on est en plein récit de la Passion. Et puis, il y a un trou dans le manuscrit, et de l'autre côté, vous avez « aimé ». Et « aimer », c'est le début du mot « emin ». Et c'était la suite. Donc, les Juifs lui dirent « emin uk existin apokteinai udena »« Il ne nous est pas permis de tuer quiconque ». Alors, le grand problème qui surgit, bien sûr, et alors c'est là que nous sommes obligés de nous tourner vers les Romains, le grand problème, c'est que le Sanhédrin, vraisemblablement, car je crois que là, il faut aussi se rendre compte que nous n'avons pas absolument toutes les données du Pulse. Le Sanhédrin, vraisemblablement, peut condamner à mort. Mais, pour que cette condamnation soit exécutée, il faut faire appel au gouverneur romain. Car les Romains se sont réservés le droit de mettre à mort. Sauf dans les cas exceptionnels de pogrom contre un blasphémateur. Alors là, l'administration romaine ferme les yeux sur la réaction d'une foule contre un blasphémateur. Bon, nous en avons un exemple dans les Actes des Apôtres, quand nous voyons Étienne, un chrétien de langue grecque, juif de langue grecque, converti
à l'Évangile quand nous le voyons mettre à mort par lapidation en raison de ce qu'on estime être un blasphème. Mais au fond, dans le cas de Jésus, ça n'était pas la même chose. Il avait fallu un procès en règle. Le procès juif avait été fait. Jésus devait être condamné comme blasphémateur, mais voilà, il a fallu le livrer à Pilate pour que ce soit lui qui porte la sentence. Well, insofar as the high priest was bien, acting dans la mesure où le grand prêtre servait de chef de la police aux Romains, and he was a Jew, et qu'il était juif, c'est incontestablement un juif qui a arrêté Jésus. Mais il a fait pour le compte des Romains. Je dirais qu'en fait, l'arrestation de Jésus était une affaire romaine qui a été conduite dans l'intérêt de l'occupant romain. Et les Juifs qui ont pris part à cette arrestation, comme les grands prêtres, l'ont fait dans l'intérêt des Romains qui les avaient nommés pour ça. In a situation where you have two forces which can't really, which nous sommes en présence de deux forces qui normalement ne peuvent pas cohabiter et qui ont trouvé un modus vivendi, un équilibre. Donc, si une personne bouleverse cet équilibre, elle est dangereuse. La sagesse est de l'empêcher d'aller trop loin. Ponce Pilate se devait de le faire. Anything that created stasis. Tout ce qui crée du désordre est dangereux. Si vous êtes gouverneur romain, si vous voulez tenir en ordre vos affaires, vous ne pouvez supporter la moindre rébellion. Il était donc judicieux, ne serait-ce qu'à la menace d'une révolte, de faire disparaître Jésus du point de vue de Pilate. Je pense également que la rébellion de Jésus, ses implications religieuses, si vous voulez, pour le temple et pour l'aristocratie du temple, le fait d'en appeler à Dieu pouvait avoir, je crois, de sérieuses conséquences. Je vois ça comme une situation double. En ce sens, je pense que les évangiles, même s'ils ont un peu des tendances apologétiques, soit contre les Juifs, soit en faveur des Romains, selon les cas, selon le texte de chaque évangile, je pense néanmoins qu'ils capturent une partie de la réalité historique qui est derrière le procès. On crucifie en général des gens qui sont révoltés contre le pouvoir romain. Donc, dans la même le châtiment appliqué à Jésus montre bien ce sur quoi il a été accusé, pour aux yeux de Pilate. Comprenez, je crois qu'on a, il faut se rendre compte qu'on a dans le fond une double accusation. Le côté juif, c'est un débat à l'intérieur d'Israël, faisant disparaître le faux prophète. Pilate, si on lui dit que le faux prophète peut provoquer de l'agitation, et en particulier au temple, là, il a une oreille qui l'intéresse. Les Romains n'intervenaient pas dans les querelles purement religieuses, et ce qui les dérangeait, c'est que un personnage plus ou moins porté par la ferveur populaire puisse se présenter comme un rival de l'empereur romain. Et donc, pour eux, c'était suffisant pour se débarrasser de Jésus. Si en plus, ils avaient l'impression que une partie des dirigeants juifs, au moins, souhaitait la mise à mort de Jésus, c'était une raison de plus pour s'en débarrasser sans autre forme de procès. Les accusations des grands prêtres paraissent faibles au regard de leur propre loi, et plus faibles encore au regard du droit romain. Pourtant, Pilate interroge Jésus et le condamne à mort. Quand les Juifs amènent Jésus devant Pilate, au début du chapitre 23 de l'évangile de Luc, ils lui disent « Nous l'avons trouvé pervertissant la nation, nous interdisant de payer l'impôt à César, et se déclarant Christ roi. » C'est un chef d'accusation très politique. Jésus incite les gens à ne pas payer l'impôt au gouvernement romain et à le considérer comme leur roi en lieu et place de César. Donc, les évangiles disent « Les Juifs avaient des problèmes religieux avec Jésus. » Ils ne l'aimaient pas. Ils voulaient s'en débarrasser. Et donc, ils sont allés voir les Romains et ont trouvé une formulation dangereuse du point de vue romain. Et les Romains y ont cru. On trouve une scène similaire dans les Actes des Apôtres, par exemple au chapitre 18, à propos de Paul à Corinthe. Oui, c'est cela. Paul à Corinthe.
Les Juifs ont des soucis avec Paul concernant la loi. Ils vont se plaindre de lui au gouverneur romain et lui disent qu'il incite les gens à violer la loi. Ce gouverneur est plus malin que Pilate. Il dit, vous ne voulez pas dire la loi, mais votre loi, alors c'est votre problème, allez-vous-en. Les auteurs des évangiles, comme Luc, voulaient nous faire comprendre que Pilate s'était laissé abuser parce que les Juifs lui avaient menti, que leur accusation était plus directement romaine, et donc qu'il a admise et qu'il a exécuté Jésus. Je pense que la tradition qui est derrière tout ça, c'est que les Juifs ont dit à Pilate ce que dit Luc au chapitre 23. Cet homme est subversif pour la nation. Il vous laisse à penser que nous, les Juifs, allons nous révolter. Nous voulons nous dissocier de lui, et donc nous vous le dénonçons. Évidemment, le sens implicite d'une telle déclaration est qu'en fait, Jésus prêchait vraiment ce genre de choses. Jésus est un troublion, quoi. Un troublion, un messie. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a donc de venimeux dans ce monde messier, si, mot messie, c'est le mot qui décalque, vous voyez, le mot mechira, le mot ouin, hein, de quelque onction royale, et donc quelqu'un qui est désigné, qui se désigne ou qui est désigné au moins par les autres comme étant, par ses disciples, comme étant un ouin, un messie, un roi. Or, il n'y a pas de César, il n'y a pas plusieurs rois. Il n'y a que, voilà, il n'y a que César, hein, il n'y a que Tibère en l'occurrence. Oui. Le seul fait de désigner que Jésus se désigne ainsi ou que d'autres, simplement les désigner ainsi, eh bien, l'a mené inévitablement devant le trône, le siège de Pilate pour être jugé. Cependant, on avait emmené Jésus de chez Caïphe à la résidence du gouverneur. C'était le point du jour. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se souiller et pouvoir manger la Pâque. Pilate vint donc les trouver à l'extérieur et dit « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils répondirent « Si cet individu n'avait pas fait le mal, te l'aurions-nous livré ?» Pilate leur dit alors « Prenez-le et jugez-le vous-même suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis de mettre quelqu'un à mort. » Alors Pilate entra de nouveau dans le prétoire. Il appela Jésus et il lui dit, « Tu es le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce que tu dis cela de toi-même, ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate répondit, « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et tes grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'est-ce que tu as fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume, ou ma royauté, on peut traduire des deux manières, n'est pas de ce monde-ci. Si mon royaume était de ce monde-ci, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs, mais mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « La vérité, qu'est-ce que c'est que ça ?» Sur ces mots, il sortit de nouveau et il alla vers les Juifs. Il leur dit, « Je ne trouve aucun motif de condamnation. » Là, de quelle manière un tel dialogue a-t-il pu se faire ? Est-ce que Pilate avait appris un peu de la langue populaire qui était l'araméen ? Ce n'est pas impossible, mais un Romain était profondément méprisant pour les langues populaires des populations qu'il dominait. Et même si Pilate était pendant une dizaine d'années gouverneur de Judée, a-t-il eu le courage d'apprendre un peu d'araméen et surtout de l'hébreu qui était la langue sacrée? C'est assez invraisemblable qu'un grand gouverneur comme Pilate ait daigné recevoir un rebelle insignifiant comme Jésus. Je ne veux pas me prononcer dogmatiquement. Il est possible qu'il ait reçu Jésus et l'ait questionné personnellement. C'est un peu improbable. C'est le genre de corvée qu'un gouverneur aurait laissé à un subordonné pour qu'il la fasse à sa place. L'interrogatoire
devant le Sanhédrin, l'interrogatoire devant Pilate a supposé qu'ils aient eu lieu exactement dans cet ordre-là et de cette façon-là, n'ont eu aucun témoin chrétien. Et donc, tout au plus, peut-on admettre que c'est par ouï-dire qu'on a reconstitué le déroulement de l'épisode. Ça n'est pas impossible. Et on a voulu certainement rendre le récit cohérent et compréhensible. Pilate va donc poser à Jésus une question claire. Es-tu le roi des Juifs ? Il la pose dans tous les évangiles. Mais ailleurs, Jésus se tait obstinément. Et nous n'avons, chez les évangiles synoptiques, aucun dialogue entre Jésus et Pilate. Jean va établir un dialogue entre Jésus et Pilate pour que Jésus s'explique sur ce qu'il est. On voit très bien, c'est un procédé littéraire tout à fait typique d'ailleurs. Dans Marc, Matthieu et Luc, Pilate demande à Jésus simplement « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus répond aussitôt « Tu le dis hein, » ou bien « Je le suis, tu le dis, etc. Enfin, » bon. Dans Jean, même question, exactement même question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et puis tout un petit dialogue entre Pilate et Jésus et la reprise, c'est ce qu'on appelle la reprise rédactionnelle. Quand on a inséré un texte, il faut renouer le fil du récit. Donc tu es roi. Et Jésus répond à ce moment-là, tu dis que je suis roi. Bon. Alors, l'insertion, c'est spécialement Jésus disant, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, les serviteurs auraient combattu, etc. Donc, Jean veut donner une glose explicative. Encore une fois, ce n'est pas du tout arbitraire. Jésus, il est roi. Mais attention, il ne s'agit pas de s'opposer à l'Empire romain, mais mon royaume n'est pas de ce monde, donc c'est un autre royaume. Ça. Il ne faut pas lire les évangiles comme on lit des articles de journaux où l'on prend un dialogue sur le vif. Ça n'est pas un enregistrement direct de la conversation entre Jésus et Pilate. Et de cette façon, nous savons que l'entrevue de Jésus et de Pilate, la comparution de Jésus devant Pilate, est reconstituée par Jean dans son style propre, suivant l'intention de ce qu'il veut faire comprendre. Le problème est de faire comprendre en quoi consiste la royauté de Jésus. Moi, je crois, le dialogue ici, c'est, à mon avis, c'est pas vraisemblable. Enfin, ou même, sans parler d'invraisemblance, c'est un truc purement théologique. C'est une glose que Jean veut mettre pour indiquer que même si Pilate finalement va laisser mourir Jésus, le motif n'est pas politique. Alors Jésus lui a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Pilate, effectivement, trois fois Pilate reconnaît aucune faute dans cet homme, n'est-ce pas? Then Pilate took Jesus and scourged him. And the soldiers plaited a crown of thorns and put it on his head and arrayed him in a purple robe. They came up to him saying, Hail, King of the Jews! And struck him with their hands. Pilate went out again and said to them, Behold, I am bringing him out to you, that you may know that I find no crime in him. So Jesus came out wearing the crown of thorns and the purple robe. Pilate said to them, Here is the man. And the very first thing that one has to realize is La première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'en particulier dans les évangiles de Luc et de Jean, on trouve des récits extrêmement littéraires de cet interrogatoire. They are accounts that have been composed. Chaque évangéliste les a composés en fonction de ses objectifs religieux et littéraires. Je dis cela de manière générale. En d'autres termes, il serait difficile de reconstituer à partir du compte-rendu de l'interrogatoire par chacun des évangélistes, ce qui s'est réellement passé. Aucun d'eux n'a essayé véritablement de relater l'interrogatoire comme le ferait aujourd'hui un historien, voire un chroniqueur judiciaire. Vous me demandez d'imaginer le dialogue entre Pilate et Jésus. Il a lieu très différent du récit des évangiles, où Pilate est très amical envers Jésus. Il ne lui fait aucun mal, etc. Non. En réalité, Pilate aurait dit, « Le grand prêtre porte une accusation contre toi. »
Il dit que tu prétends être le roi des Juifs. Sais-tu que tu encours la peine de mort en proclamant cela? Jésus, peut-être, n'aurait pas répondu. Ou s'il avait répondu, il aurait dit qu'il agissait sous l'autorité de Dieu. Qu'il devait se proclamer le roi des Juifs pour accomplir les prophéties de Zacharie et d'Isaïe. Et Pilate aurait simplement dit, cet homme est un Juif fou. Au début des années 60, une mission archéologique italienne réalise des fouilles dans le théâtre antique de Césarée, en Israël. En retournant un petit escalier, les chercheurs découvrent une pierre d'à peu près 80 cm de hauteur, de 60 cm de large, de 20 cm d'épaisseur. Sur la première ligne, on peut déchiffrer facilement Ti, B, Ri, c'est-à-dire Tibère. Ensuite, sur la deuxième ligne, il y a N, Sius, Pilatus, Ponce Pilate. Enfin, sur la troisième, Ectus Judae, préfet de Judée. Cette pierre gravée, découverte à Césarée, est sûrement un témoignage de la façon dont Pilate voulait dédier un monument à l'empereur Tibère. La force des empereurs, surtout peut-être des premiers empereurs, comme déjà, enfin César qui n'a pas été le premier, mais Auguste, Tibère, c'est de se dire, il faut respecter les peuples soumis, on les attachera à Rome. Et ça, je crois que ça dépasse Pilate. Pilate est l'homme qui a imposé par la force le pouvoir en Judée, qui doit le maintenir, à qui on demande constamment des comptes. Il n'a pas non plus une carte blanche. Vous voyez, il n'a pas une liberté totale. On lui demande des comptes à la cour impériale. Il est constamment ennuyé par les foules juives. Et ce qu'il voudrait, c'est pouvoir véritablement imposer le pouvoir romain tel que lui l'entend. En fait, nous savons qui était Pilate par d'autres sources, par Tacite notamment. Nous savons qu'il n'était pas un mollasson. Nous savons que ce n'était pas un homme faible. C'était une vraie brute. Il n'aurait pas hésité une seule seconde à condamner Jésus à la crucifixion s'il avait été accusé de subversion contre l'occupant romain en Palestine. Qu'est-ce que vous voulez? Il tient à sa situation, lui aussi, Pilate. Parce que, vous savez, les Juifs, je ne parle pas ici des Juifs en général, mais ces milieux des grands prêtres ou des notables, avaient, sans parler des princes et de la lignée des Hérodes, les fils et petits-fils, bon, étaient là à Rome, ils avaient ils pouvaient facilement avoir l'oreille de l'empereur. Et vous savez, c'était vite fait pour un empereur de démissionner un Pilate, et il le fera en 36. Donc, il fallait aussi qu'il fasse attention, qu'il ouvre le parapluie. Enfin, excusez-moi pour parler d'une manière vulgaire. On sait par le portrait que font à la fois Philon et Flavius Joseph de Ponce Pilate que Pilate n'a pas du tout eu cette attitude politique que lui prêtent les évangiles. Au fond, les évangiles lui ont fortement embelli son portrait, en particulier pour décharger la responsabilité de l'autorité impériale dans la mort de Jésus et pour en charger plutôt les instances juives. Mais on sait par Flavius Joseph et par Philon que Ponce Pilate est un homme retors, c'est un homme roué, c'est un politicien craintif, donc dangereux, donc soupçonneux, et que dès lors, toute tentative de rébellion était immédiatement réprimée par lui et avec une certaine férocité. Le portrait de Pilate qui ressort des évangiles et celui que tracent les historiens de l'Antiquité semble donc difficilement conciliable. Mais plus étonnant, d'un évangile à l'autre, le rôle du préfet romain évolue. Comme si, rédaction après rédaction, Pilate était poussé hors de toute réalité historique.
C'est seulement assez récemment que les gens ont vu dans le Ponce Pilate des évangiles un être blâmable, parce qu'il ne s'affirmait pas suffisamment, qu'il était faible. Mais je ne crois pas que cela soit le point de vue des évangiles. Si vous les lisez attentivement, vous ne trouverez pas un seul mot de reproche envers Pilate. Il est représenté comme un brave type qui aime Jésus et qui ne voit pas pourquoi il serait exécuté. Et s'il accepte de le faire exécuter, c'est parce qu'il y est contraint par un chantage des chefs juifs. In Mark's Gospel, l'évangile de Marc montre plus ou moins du doigt à la fois la responsabilité de Ponce Pilate et des chefs juifs. Quand on prend l'évangile de Matthieu, Pilate se lave les mains de toute l'affaire. Sa femme lui dit de se tenir éloigné de cet homme juste. Dans Luc, on voit qu'il est devenu conscient du problème. C'est pourquoi, tout d'un coup, Pilate déclare par trois fois que Jésus est innocent. On trouve la même chose dans l'évangile de Jean. On peut voir là une évolution, une sorte de développement. Autrement dit, la responsabilité est de plus en plus attribuée aux Juifs et aux chefs juifs, et de moins en moins à Pilate. Why does that happen? I think it's because Christians had to realize that they had to seek some kind of a rapprochement. Je crois que les chrétiens ont réalisé qu'ils devaient se rapprocher des Romains. I mean, that's characteristic of what we have. The trial stories have been discussed. Les récits du procès ont été objet de débat. Well, soit pour dire que Jésus avait vraiment été mis à mort par les Juifs. Et que les Romains n'avaient été introduits dans l'histoire que plus tard, ou pour dire tout au contraire que les Romains étaient impliqués, mais qu'ensuite ils avaient été réhabilités par les chrétiens et que les Juifs seuls avaient été accusés. Les recherches sur le procès sont très explosives à cause de l'interprétation antisémite de ces récits plus tard. On pourrait dire, dans ces textes, on sent qu'il y a une responsabilité historique, mais ça n'intéresse pas une responsabilité judiciaire au sens précis. Ça n'intéresse pas tellement les milieux chrétiens. Ce qu'ils veulent montrer, c'est selon eux, et j'insiste bien sur ce terme, selon eux, où est la véritable responsabilité. Et dans le fond, on fait apparaître Pilate comme un avocat plus qu'un juge ou que le gouverneur qui va décider. Disons qu'on lui fait jouer le rôle. Alors, pourquoi lui fait-on jouer ce rôle? C'est évidemment une façon de montrer que ce procurateur a eu la main forcée par les Juifs. Donc, d'une part, il n'est pas responsable, il s'en lave les mains, et en plus, il écrit ce témoignage. Ça, c'est le départ de toute une littérature qu'on appelle les Actes de Pilate, où Pilate va rendre compte de ce qui s'est passé, des actes du procès, et finalement même devenir un chrétien, et quasiment, il y a même des saints Pilate hein, dans l'histoire des apocryphes chrétiens. Bon, qu'est-ce que c'est? C'est noircir encore le judaïsme, qui est, lui, n'a été qu'un instrument. Bon, on lui livre quelqu'un, on lui dit il est coupable, lui, il ne le trouve pas coupable, mais enfin, bon. Maintien de l'ordre d'abord, mais finalement, l'épisode, par exemple, la femme de Pilate qui vient dire à son mari, attention, tu sais, j'ai eu un rêve, cet homme, et, etc. Bon, c'est une façon de rejeter la responsabilité de la mort de Jésus sur les Juifs et les Juifs seuls. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il portait cette inscription « Jésus le Nazoréen ». Le roi des Juifs. Cet écriteau, bien des Juifs le lurent, car l'endroit où Jésus avait été crucifié était proche de la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et en grec. Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate, « N'écris pas le roi des Juifs, mais bien cet individu a prétendu qu'il était le roi des Juifs. »
Pilate répondit, « Ce que j'y écris, je l'ai écrit. » Bon, par ailleurs, vous voyez, dans la tradition chrétienne, il y a eu quand même, il faut savoir le reconnaître, hein, qu'une certaine tendance, si vous voulez, à accentuer la responsabilité juive, disons d'abord des autorités juives, puis ensuite, on n'a pas fait de quartier, c'était tout le monde juif, hein, c'est ça. Oui. Et au contraire, on a eu une certaine tendance, on voit cela dans les Actes des Apôtres, une certaine tendance à dédouaner, si vous voulez, les Romains. Ne serait-ce que parce que les premières communautés chrétiennes, oui, nous sommes là après les années 64, l'incendie de Rome, et puis donc les années 70, 80, 90, où ces premières communautés avaient besoin de disperser cette fois-ci dans toute la diaspora, dans tout le monde méditerranéen. Hein, c'est ça. Ces communautés qui se distançaient progressivement des autres synagogues juives, on arrivait mieux maintenant à distinguer un juif d'un judéo-chrétien, d'un chrétien d'origine juive, hein, ou a fortiori d'un héléno-chrétien, c'est-à-dire un chrétien qui n'était pas d'origine juive, mais voilà, un type des nations. Alors, ces communautés arrivaient mieux à se distinguer, enfin, on arrivait mieux à les distinguer les uns les autres. Et alors, vous voyez, dans cette ambiance-là, nos communautés chrétiennes avaient surtout besoin de paix, et donc au moins que les autorités civil, nous dirions, les autorités romaines, ben ne soient pas trop dures à leur endroit, hein. Suppose you were a Christian missionary. Imaginez que vous êtes un missionnaire chrétien qui prêche au coin d'une rue à Rome en l'an 80 ou 90, quand les évangiles sont écrits. Vous tentez de convaincre les gens de croire en Jésus. C'est un grand faiseur de miracles, il est le Fils de Dieu. Quelqu'un vous demande, où est-il? Vous répondez, il est mort? Il est mort de maladie? Non, il a été exécuté par un gouverneur romain. Si vous n'expliquez pas immédiatement que cela n'aurait pas dû se produire, ou que le gouverneur romain qui l'a fait ne représentait pas vraiment Rome, vous risquez des ennuis, parce que vous incitez les gens à servir la cause d'un criminel. Les chrétiens avaient un problème. Ils vénéraient un criminel politique, et ainsi on les soupçonnait, eux aussi, d'être des criminels politiques. Nous savons qu'ils ont été criminalisés et qu'au début du IIe siècle, le seul fait d'être chrétien était suffisant pour être condamné à mort. Donc, ils avaient intérêt à se présenter comme un groupe qui n'était pas dangereux politiquement parlant. Cela nous rappelle un autre passage des Évangiles, où c'est un centurion romain qui déclare « Il est certainement le Fils de Dieu ». Ce que disent les Évangiles, c'est « Les Romains comprennent Jésus, pas les Juifs ». Nous en appelons aux Romains parce que nous, auteurs des Évangiles, voulons dire « Ne nous punissez pas, ne nous persécutez pas en tant que Juifs ». Nous ne sommes pas juifs. Les chrétiens ne sont pas des juifs. On pourrait dire que c'est le refrain des évangiles. Nous, les chrétiens, nous ne sommes pas des juifs. Nous sommes les alliés des Romains, pas leurs ennemis. Et le message a fini par passer auprès des Romains, puisque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire. Donc la campagne qui avait commencé dans les évangiles est l'une des campagnes les plus réussies de l'histoire. Je ne sais si vous fréquentez Anatole France, qui n'est pas toujours un auteur très, très lu aujourd'hui, mais qui a une petite pièce, Le gouverneur de Judée, tout à fait intéressante. Parce que ça se termine, c'est Pilate à la retraite. Alors là, nous sommes dans le rêve. Pilate est à la retraite, un ami vient le voir et lui dit « Est-ce que tu te rappelles de cette affaire quand tu as gouverné, quand tu as condamné à mort Jésus de Nazareth ?» Alors Pilate essaye de faire un effort de mémoire et dit « Non, je ne me rappelle pas. Mais tu crois que c'était vraiment moi qui... » Mais enfin, maintenant, écoute, ça fait du bruit, tout ça. Et ça se termine « Peut-être, oui, peut-être, j'ai fait ça. » Et je crois que ça nous renvoie bien à cette distance. Anatole France, qui n'est pas un modèle de piété, mais ça nous renvoie bien à cette distance qu'il y a entre ce qu'a pu être l'événement de la condamnation à mort par Pilate, et puis le regard de l'Évangile, pour qui ça devient unique. Jésus est bien celui qui est mort pour tout le peuple, et bien au-delà de tout le peuple, comme dira saint Jean, pour rassembler les enfants de Dieu dispersés, c'est-à-dire, pour le point de vue des évangélistes, meurt pour tous les hommes.
Donc là, on a évidemment une contradiction très forte, enfin, ou une tension très forte entre l'histoire et ce montage joannique. Jésus est condamné à mort. Aurait-il pu être gracié? Selon les quatre évangiles, le gouverneur romain avait pour coutume de libérer un prisonnier à l'occasion de la Pâque. Mais pourquoi offre-t-il le choix entre Jésus et Barabbas? Qui est ce Barabbas qui va être préféré à Jésus ?